En Afrique, le taux d'industrialisation est relativement bas, environ 2% dans le monde. Les échanges industriels des pays de l'espace UEMOA, quant à eux, se chiffrent à 12%. Pourtant, dans l'Union européenne, ces échanges représentent 80%. Au regard de la faiblesse structurelle des économies africaines, il faudra trouver de nouvelles méthodes d'industrialisation. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier de 4 jours des experts de l'UEMOA pour se conformer à l'industrialisation 4.0, qui est en fait menée par tout ce qui est de nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on appelle les nouvelles méthodes d'industrialisation? Comme vous savez, avec les dynamiques du monde, la mondialisation, l'arrivée de la Chine, les nouvelles technologies, il est opportun de s'asseoir et de réfléchir. Est-ce que, au vu des résultats de l'industrialisation dans nos pays, notamment ici en Afrique de l'Ouest, on sait bien que la base industrielle elle est relativement faible. Est-ce que les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, les mécanismes qu'on utilise pour l'industrialisation, est-ce qu'elles sont adaptées aux chaînes de valeur globales, à l'arrivée de la Chine? Est-ce que nous sommes prêts ou est-ce que nos mécanismes que nous avons en place sont appropriés à ça? Au cours de cette rencontre d'échange, les experts des chambres de commerce de l'espace UEMOA vont réfléchir sur comment améliorer les échanges intra-régionaux, l'amélioration des chaînes de valeur ainsi que la relecture de la politique industrielle commune des États élaborée depuis 1999. La relecture de cette politique industrielle qui devrait s'achever en 2020 permettra d'actualiser le document de politique en vue de prendre en compte l'évolution du contexte de l'Union. De l'UEMOA, la Commission a adopté une politique industrielle commune qu'ils ont décidé de réviser. Et donc c'est dans ce contexte que la Commission a demandé à notre institut d'organiser un atelier de formation pour outiller les experts des pays membres et aussi ceux de la Commission sur les nouvelles méthodes d'industrialisation et aussi les enjeux des politiques industrielles à l'échelle nationale et régionale afin de nourrir les réflexions dans le processus de révision de la politique industrielle commune de l'Union. Initiée par la Commission de l'UEMOA en collaboration avec l'Institut international pour le développement durable, cet atelier se veut également un renforcement des capacités des cadres de la Commission de l'UEMOA. Le secteur de l'industrie contribue à hauteur de 20% au produit intérieur brut de l'Union. Dans l'espace de l'UEMOA, ça varie entre 7% pour les pays les plus faiblement industrialisés à 26% par exemple pour la Côte d'Ivoire. Donc les écarts sont assez grands, mais 26% de la part de l'industrie, 26%, même si ça paraît beaucoup pour la région, comparé au reste du monde, c'est relativement faible. Vous avez des pays qui ont 40% en Asie, c'est à peu près 40%. L'industrie représente 40% de l'économie, alors qu'ici, le pays le plus faible, c'est 7% et le pays le plus avancé, c'est 26%. Donc les écarts sont quand même assez larges. Les recommandations issues de cet atelier permettront aux États membres de mettre l'accent sur le développement du secteur privé et de répondre aux défis de la révolution industrielle.